Gamma. Un team hollandais absolument énorme. C'est énorme. Messieurs les pilotes de boîte, on a vu des quoi. Car on va voir des milliers de bras qui vont se lever. Vous êtes prêts? Thank you.
Je veux jouer. Cyril, du team MRCHL. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première journée? Difficile. Journée qualif, première manche. Les 12 heures vont être longues. Météo pas terrible. Très mauvais en début de journée. Bien et remonté. On est mal en vrai. Après, la machine s'est bien comportée. La machine, oui, ça va, nickel. On a fini 3h30 de course, on est content quand même. Qu'est-ce que vous avez eu comme aller aujourd'hui? Une roue, perte de fret. Perte de vis. Perte de vis. Vis de fret de bigloc. Okay. Perdu et perte de pression, roulé à plat. Et du coup. Bastien Candy, hein. On le présente. On le présente. Météo très compliqué. Cyril a pris le départ. Il a fait une 40-45 minutes de roulage à peu près. J'ai pris le relais complètement à l'arrache. Et du coup après moi je suis parti, j'ai fait une petite heure de roulage je crois à peu près. J'ai dû rouler à peu près demi-heure sur leur complète, j'ai dû rouler à peu près demi-heure avec le manque de pression sur la roue arrière droite. Et du coup en rentrant au stand on a fait changement du train arrière. Et après on a fait quoi? Plein niveau d'huile, plein d'essence. On a profité pour les contrôles. Ouais. Un petit check de la machine. Et après, Cyril est reparti pour 1h10. Ah, il est sacrément bien remonté. Il avait soif. Vous avez fini combien aujourd'hui? 76 sur 80. 97. 97, ouais. Après, c'est que les 3 premières heures de la course, il y en a encore 9. 3h30, exactement. Ouais, 3h30. Okay. Voilà. Aujourd'hui, course. Merci les gars, on refait le point demain. Voilà. Allez. Ciao. À demain. Denis Marshall, le doyen du team MRCHL. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti pour cette première journée à Pont de Vaux? Bon, on a passé une bonne journée déjà, malgré la météo d'hier. Bon, ce matin, un peu boueux. C'était humide. Très humide, mais bon, on a mis des roues en neuf plus grosses, donc du coup on a pu mieux rouler. Et cet après-midi, du coup, la piste était meilleure, du coup on a changé les roues, on a remis en 8 et là c'était super top. T'as pris plus de plaisir à rouler l'après-midi. Ouais. Et après t'as fait le choix de rouler toute la manche seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon collègue n'était pas bien, donc du coup je suis rentré au stand au bout d'une heure et demie pour qu'ils prennent le relais et du coup vu qu'il était vraiment pas bien, ils ont refait le plein d'essence et je suis reparti. Ok, t'as fait la manche de 3 heures, tu sais combien de temps? C'est ça. Ok. Après, bon, il y a un petit souci de cause de batterie que mon mécano a trouvé et on a vite rétabli le problème. Et voilà, on est reparti nickel. Ok, super. Bon, merci Denis, on se revoit demain. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez.
Deuxième jour contre Devo. Denis, t'as retrouvé ton coéquipier? Tout à fait. T'es content? Ouais, super, il a assuré. On a passé une bonne journée. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième jour à Pont de Vaux? Très bien. L'automne impeccable. La piste, nickel à part les trous. Mais autrement, la machine, du feu de Dieu. Et bonne condition. Ah ouais. Pas de mauvaise surprise mécanique? Non. Rien du tout. Un peu de fatigue à la fin, mais... Météo était avec nous en plus, donc... Impeccable pour ce deuxième jour. Ok, pas de difficultés particulières liées à la nuit? Non, aucune. Okay. Il faisait frais, qu'on était bien roulé. Ah ouais, ça allait bien, on n'avait pas chaud. Ok, bon, mais tout va bien alors? Tout va bien. Espérons qu'on finisse demain et ça sera nickel. Ça fait plaisir de ne pas sortir d'outils. Voilà. Bon, mais au final, il n'y a pas grand chose à raconter vu que tout se passe bien. Tout le monde est content. Tout va bien, voilà, tout le monde est content, on le fête et voilà. Ok. Bon, ben on fait son petit train tranquillement. Ouais. En espérant que demain ça tienne le coup. Bon, il n'y a pas de raison. Voilà. Faut que ça tienne. Ok, bon, ben merci les gars, on se revoit demain. Ouais, merci. Allez, bonne nuit. Ouais. Merci beaucoup. Je kiki, ouais. Bon, allez. Ça, c'est un making of. Ouais, c'est ça. Bon, l'équipe. Deuxième jour à Pont de Vaux. On en est à 9h30 de course. Ouais. Il nous en reste 2,5, si je dis pas de bêtises. Et on n'a pas cassé la machine. On n'a pas encore cassé la machine. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour la casser la machine? On va casser la baraque. Ouais. On casse la baraque. On préfère casser la baraque que casser la machine. Mais on a de la chance là, ouais. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ça pompe un peu d'huile. On dirait du de temps. Plus de frein. Sinon, ouais. Ça commence à manquer de frein. Mais ben, en parlant de temps. Il y a un chi qui est passé. Ouais. Plus de train avant. Mettez de l'hypone dans l'essence. Hein. Ouais, voilà. On va faire ça, je pense. On va rouler au mélange demain, ça ira plus vite. Ce sera plus facile à gérer. Non, mais sinon, plus sérieusement, en termes de conditions, météo. Le circuit, vraiment plus agréable à rouler. Ouais. Défoncé, mais sec. De l'adhérence. Ouais, il y avait de l'adhérence, c'est intéressant. La partie du fond qui est vachement ondulée, donc ça fatigue vachement quand même. Ça fait pas mal chauffer les mains et après sinon sur la partie plus proche là, plus roulante, ça nous permet de se reposer un peu plus. Après, et vous sinon, sentez comment? La fatigue se fait ressentir, mais bon, après on essaie de tenir un peu cassé, un rythme à peu près correct.
Et voilà, après, deux manches aujourd'hui, on a fait du coup 6h30 de roulage aujourd'hui. Et vous êtes monté à la 25e place. L'artiste 24 est, même. 24. Ouais, 24, 25e place. Il est remonté. Il a pris le départ de la manche de nuit. Et il a fait ouais, une belle, belle remontée. Ouais, je crois par 88, je crois, ouais. Ou plus. Ouais, par rapport 88, on remonte 24. Ouais. Voilà. Le monsieur Marshall est plus à l'aise de nuit. Ah ouais, putain, de nuit. C'est un oiseau de nuit. Ouais. Chauve-souris. Voilà. Ouais. Ouais, ça, on le coupe. On coupera ce morceau. Ouais, mais ça s'est bien passé après. Pourvu que la machine tienne, ouais, il reste 2h30 de roulage. Demain, là, ça continue comme ça. Il est je ne sais pas quelle heure, bientôt 1h du mat. Bientôt et une heure. Mon caillassage, on en parle. On va se changer. Je me suis bien fait caillasser quand même. C'est quoi, c'est un coup de flashball? T'as manifesté ou quoi? J'ai pris du caillasse, de la caillasse. Ouais. Donc ça m'a coûté l'histoire et un roll-off aussi. Ouais. Le roll-off au vent. Un roll-off cassé. Voilà. Ça casse. Non, après, ouais, il est presque 1h, on va se changer, aller boire un coup à la bordega. Histoire d'être en forme pour demain. Et okay. Voilà. Tordu pour tordu, on se finit quoi. Voilà. Ok, bah merci les gars. Merci. Je vous dis bonne nuit. Et à demain. À demain pour de nouvelles aventures. Un petit check. Ah, un petit bisou. Un bras. Oh, tu veux pas qu'on se communique aussi? Marshall, Bastien Candy, édition 2023 au Pont de Vaux, 72 heures finies. Quel est votre sentiment pour cette finalité? Très content d'avoir fini. Satisfait d'avoir fini. Très dur physiquement à deux. Ouais. Ouais. Ça sèche. Physiquement, la dernière manche, c'était dur quand même. Ouais. C'était la manche la plus courte du week-end, mais... Mais la plus dure. Mais la plus dure, ouais. Avec un accrochage au départ. Ouais, je me suis fait rentrer dedans au départ. Je pense que je sors pas trop mal. Mais il y a eu de la casse. Ben on s'est fait. On était pas loin. Plier, ouais, on s'est fait plier l'échappement. Et moi je me suis fait un peu éjecter du quad, mais je suis resté, j'ai eu de la chance quand même. J'ai réussi à rester sur le quad quand même. Et après je suis reparti. Et bon, c'était prévu que je fasse qu'un tour et que je rentre au paddock. Et pour pouvoir faire un check, le niveau d'huile surtout, parce qu'on avait vu qu'on avait un suintement et une perte d'huile. Donc ça c'était prévu, faire un petit check de toute la machine quoi. Et après je suis reparti pour 1h15 de roulage à peu près. Okay. Voilà, et le suintement? Ouais, le suintement il s'est accentué pas mal quand même. Alors, pronostic? Surchauffe. Ouais, surchauffe. Dû
à l'échappement. Le panini. Tu peux faire une vue du panini là. C'est bon, c'est fait. Ouais, c'est... Je mettrai ça dans le montage. Il est beau le panini. Ouais, une belle banane. Ouais. L'échappement neuf, deux semaines. Ouais. Deux semaines et. Réception, 14 août. Date de décès, on est combien, 27? Ouais, avec même 10 heures de roulage. 11 heures de roulage, allez. Il a encore envie, mais il a sale gueule. Après, ouais. Très dur physiquement, très cassant. L'objectif, c'était de passer 8 heures de course, on a fini les 12 heures. Donc... Vous avez fini avec la machine en état de marche. Ouais, en état de marche. Vous deux, un peu fatigué, mais en état de marche. Vous deux en état de marche aussi. En état de marche et plus fatigué. Encore. Les rentals poncés. Les poignets poncés. Et ouais, donc sinon une belle expérience. Un duo sympathique. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. C'est prévu? J'espère, moi. Ouais, si les finances suivent. Ouais, avec plaisir. L'objectif, c'est d'être là tous les ans. La drogue. La bonne drogue. Niveau classement, ça donne quoi? Aujourd'hui, 59, je crois. On finit, je crois que c'est le... Ouais, 57 sur cette dernière manche et on finit apparemment au général 59. Ok. Voilà, 59. Je sais même pas combien il y a de finishers. Et au départ, on était 105. 100. Pas plus 100, hein, on est le centième. Et après, il y a eu 3 abandons d'essai. Voilà. On était 97 en course, du coup. Voilà, voilà. Ok. Ben, merci, le team merci à toi, hein. MRCHL. Bisous, bisous. Bisous.